John Gobie, victoire importante ce soir contre Zug, au terme d'un match qui a été compliqué pour le LHC quand même. Non, je crois qu'on a fait un bon temps de match. Les premières 3 minutes, on a dominé notre adversaire, on s'est créé beaucoup d'occasions, on est passé à 3-0 devant, méritement. Et puis finalement, on a un peu relâché, on a pris 2 buts en 1 minute et demie, et ce n'est pas acceptable, surtout à la maison. Et quand on a un match comme ça en main, de presque le jeter, mais à la fin, voilà, Christo a fait les bons arrêts au moment. Les dernières 20 minutes, on était très disciplinés derrière, on n'a pas laissé beaucoup d'occasions, et on a remporté ce 3 points, que c'est très très important pour nous. Et quel but? Ça fait du bien aussi au moral de marquer un but aussi important justement. Non, c'est clair, ça fait toujours plaisir, mais comme je dis, pour moi c'est pas mon objectif. Je cherche de jouer bien défensivement, faire une bonne première lance sur les attaquants. Et puis de ne pas encaisser de but, c'est ça nous qu'on doit faire comme défenseur, c'est ça que l'entraîneur veut de nous. Et puis voilà, si j'ai la possibilité de shooter, je shoote pour marquer, oui. Maintenant une douche, manger, dodo, bien se reposer, récupérer, parce que demain il y a de nouveau un gros match contre Lugano et un long voyage surtout. Ah non, c'est clair, c'est un long voyage, un gros morceau. Lugano sort d'une belle victoire ce soir à Davos, alors on sait où être motivé. Là-bas c'est toujours dur de jouer, le public est derrière, je pense que surtout dans ce moment comme ça. Mais je crois que si nous on arrive à faire un match plein, comme on a fait les premières 3 minutes, mais pendant 60, on a une bonne chance de gagner là-bas. Et puis voilà, nous on doit se concentrer vraiment sur les petits détails. Et nous on a peur de personne, on va aller là-bas pour jouer.